Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Humankind en multi avec Slan. Salut Slan. Coucou, comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va super, je m'étends de l'est en ouest et du nord au sud, je suis la Chine. Ah non, je suis les Perses, c'est pas mal aussi remarque les Perses. Les Perses c'est bien ouais. Moi j'étais les Zous mais maintenant je ne suis plus les Zous. Mais on a pu voir que on t'a vu apparaître ici, juste là. Et je pense que du coup on va pas tarder à se voir plus parce que moi j'ai une bonne vision sur le nord de ton bout de continent là. Ouais bah on va voir ça. Alors ça c'est moi, construit, ça y est, parfait. Combien ça me coûte? J'en ai essayé de grossir. Mais il faudrait de l'influence là, je manque vraiment d'influence. Mais va pas te plaindre avec ton influence, ça suffit un peu. Par contre je vais clairement attaquer le jaune là. Pourquoi infini le temps de construction là? Ah, parce qu'il y a eu une bataille dans le coin. Ah oui, possible, ouais. On va avancer ce truc là, c'est pas grave, 7 tours. Yep. Oui, effectivement, il y a une bataille juste dans cette zone là. Ouais. Ça explique. Ici, voilà, voilà. Au prochain tour, on va faire un peu de bouffe et après, on fait de l'influence comme des sacs. On a terminé les fortifications, parfait. Et on va pouvoir choisir une doctrine religieuse, enfin, bordel. Alors qu'est-ce qu'il nous reste? Éviter la gloutonnerie, ok. Vivre en harmonie avec la nature. Ok. Ne pas voler, c'est pas mal. Châtier les incrédules. Ou alors 2 sur forêt, 2 sur terrain boisé. J'ai bien envie de prendre l'influence, mais j'ai déjà boosté l'influence. Mais mon influence est trop faible. On va prendre le... On va jouer full influence sur cette partie, allez. C'est parti. Bah, c'est pas flagrant. Et les Nubiens, ils sont déjà niveau 2. Putain. Vache, quoi. C'est la teuf. Les Nubiens, c'est quoi? C'est les bleus? C'est les verts. C'est ouais. Les verts, c'est les verts. Ils ont une aire de plus que nous, c'est ça, tous? Bah, je pense pas, non. Il est en train de se fight avec le rose, visiblement. Mais non, ils sont à 1500, ils peuvent pas avoir une aire de plus. Je les connais pas, hein. Mais on sait que leur religion... Ah oui. Le chamanisme des Nubiens... Et niveau 2. Merde, alors... Et il a pris plus 5 de science sur quartier scientifique. Ouf. Ouais, je sais, il a pas pris le truc militaire. Et ça se trouve que c'est celui du niveau 2, c'est le plus important. Alors, on peut faire un nouveau... C'est le seul qui est vraiment, vraiment important. Ouais, le mec, c'est très clair, hein. Il prend ça, je vais me convertir. Encore faudrait-il pouvoir. Je trouverai un moyen. Non, on va avancer là-dessus aussi. Ici, on était en train de faire la ville, c'est parfait. Hop, bim, voilà. Ça, c'est fait. Ah, c'est compliqué. Du coup, ici, on va pas attacher ça tout de suite, tant pis. Mais ça va venir assez vite, normalement. On va faire comme ça. Non, ma ville principale, elle doit faire. Allez, toi, il va être temps d'aller fusionner avec ça. Là, hop. Hop, bon toi du coup t'es les étrusques, je peux faire quoi? Don d'avant-poste. Ah je peux lui donner un avant-poste, bah non. Disparaîtra dans 10 tours parce qu'il a plus rien. Je lui ai bouffé sa province. C'est triste. Allez, on va chercher l'armée professionnelle, on va voir si on peut améliorer nos troupailles. Et vous, bah, vous allez repartir explorer par là-bas, que je vous dise, moi. Hop. Putain, la vache, ils sont dans un fight, le vert et le rose, là. Ça se bastonne à côté de toi, on est en rouge, on est des synchros. Ah, bah ça doit être pour ça, alors, parce que je les voyais pas passer le tour, je me disais, bon, c'est une IA, quand même, elle devrait pas faire des siècles à faire son tour. Bon, on a quand même quelques desynchros, hein, on va pas dire le contraire.
Bon, on en a au moins une, voire deux par épisode, quand même. Hein. Ouais. Je m'en pose deux secondes, parce qu'il y en a pour une minute. Là. Ah non, même pas, ça a l'air d'aller vite. Ouais, non, ça charge bien, là. Ça ouais. va. Quand c'est juste un rechargement comme ça, sans avoir tout fermé, ça va. Ouais. Pourquoi on a des fusées, nous? Ben, parce qu'on est en démarrage. Ok, on recommence au début du tour, du coup. Pourquoi pas. Sérieux? Bah on dirait. Faut que je reprenne ma doctrine. Alors est-ce que ça vaut bien le coup? Ça c'est pas mal quand même. Bah du coup je vais changer ma doctrine, allez. Hop. Écoute hein. Tu veux une nouvelle désynchro pour avoir le temps de réfléchir un peu plus au corps là? Faudrait pas que tu sois pris de court. Non non, ça ira, écoute. Hein. Moi le jeu me propose des exploits, j'en profite. Hein. Exploitons. Alors, ici, est-ce que je fais là, on a dit, ça coûte 243, je pourrais le faire au prochain tour, donc on va attendre un tour ici. Hop. On va attendre un tour ici, et là par contre, bah du coup mes trucs qui étaient infinis sont plus infinis non plus, donc bon, pourquoi pas. C'est triste. Bah non, c'est bien. Ici, on va commencer à se diriger par là-bas. Voilà. Alors, pourquoi vous arrêtez? Je ne sais pas, mais bougez-vous le fion. Toi, tu vas te poser sur la carte... 26? Quoi? 26 d'industrie, sérieux? Tu peux te barrer de là que je vois... 8, 24 ou 5, 26? Ah ouais, c'est pas mal. Bah, 8, 24. Ouais, bah c'est un avant-poste que je vais attacher, mais ouais, pour l'instant, on attend juste un tour avant de le faire. Enfin, après il faudra avoir l'influence, mais on va attacher ça immédiatement, voilà. Là on fait beaucoup trop de bouffe, on va faire de la science à la place. Et on peut faire notre petit cercle de pierre ici, hop là, c'est parti. Est-ce que tu bosserais pas là-dessus toi aussi? Si on s'y met à deux, on le finit en 5 tours. Ça ferait du bien un peu de foi. C'est la priorité, je pense. Ici, on perd de la nourriture, on va perdre une pop. Ça ne va pas. On va compenser un peu. Bah, tu listens, mais tu m'écoutes pas quand je te parle. Qui ça? Je veux sa capitale. Ah, d'accord. Et il veut pas me la donner. Il me dit I am listening. I am listening de rien du tout. Je lui dis file-moi tes terres. Il me dit j'écoute. Je lui dis file-moi tes terres. Il me dit j'écoute. Il me prend pour un idiot. Et qu'est-ce qu'on fait aux idiots? Eh ben on les étripe. Non. Ceux qui prennent les gens pour des idiots. Du coup, ça va être la guerre. Contrôle jaune. Parce que ça fait au moins 5-6 tours qu'on est en paix et ça me déprime. Mais du coup, tu fais des guerres surprises, non? Quand tu fais ça. Ça va, y'a personne qui est au courant. Personne ne me connaît. Non, mais je tous demande, ceux qui me connaissent sont morts. Est-ce que ça fait un vrai malus, quoi? Parce que visiblement, le malus de traître, il est pas. Voilà quoi. Il disparaît au bout de 24 tours, il suffit d'arrêter de trahir. Tu sais faire ça? Bah, au pire, tu renforces ton bonus de traître. Hein. Ton malus de traître. Pardon. +81 +53. Ah, il me manquait un, sérieux. Il me manquait un influence. Bon, bah, il me manquait un influence, ok, c'est bon. Toi, t'attends. Et on passe. C'est la guerre. Ah oui, t'as gagné du renom en tant que traître. Moi? Bah, ils sont vaches. Bah, écoute. Tu fais ton fumier. Enfin, expire dans 31 tours. Voleur. Les armées de l'Empire détenteurs de ce badge gagnent plus d'argent en pillant. Pas ma faute. C'est jamais mal barré ta faute. Pour être marchand. Alors autant que je sois un bon voleur. Ça y est, je vois le pôle Nord. Bon, on va revenir. Je vais ramener une troupe. Ça en est où ça?
Ouais, on va draguer un peu plus. Là, non, par contre, là, non. Moi, je risque pas de le draguer plus, je suis à plus 10. Il y a un là, on fait quoi ici? Minfix, on pourrait faire ça d'abord. Non, d'autres vont le faire pour moi. Alors, Memphis, non. T'es bien sûr, peuvent le faire, voilà. Après, c'est vrai que moi, je choisis d'avoir peu de villes. C'est aussi pour ça que j'ai moins d'influence. Hein. Ouais, j'en ai pas beaucoup non plus. Hein. Ouais, bah t'en as juste deux fois plus que moi, quoi. Bah, en même temps, t'as toujours pas progressé. Mais où est sa capitale? Quoi, c'est ça ta capitale? T'es sérieux, mec? T'as pas une vraie ville? La déception, tous ces gens impossibles à... Tu peux même plus t'amuser à les prendre, ils ont plus rien, quoi. Ils ont rien. C'est l'arnaque. Allez, je prends sa ville en bataille automatique. Voilà, on a une petite unité prête à fight si besoin. Dans 3 tours, on en aura notre petit cercle de pierre. Ça va filer un coup de main, ça. Oh oui, nous aussi, on va aller visiter un petit peu son territoire aux Babyloniens, là. Après tout, hein, on a toujours les frontières ouvertes. On a le droit de passer. Alors, c'est quoi ces troupes à mon adversaire? C'est des levées. Bon. D'accord. Ouais, c'est le truc de base dans les villes, ça, non? C'est ça, ouais. Ouh, ça fait mal quand il m'attaque la levée. Moins 52. Moins 76. Ouch. On va commencer à convertir un peu, là. 22, 41. Voilà. Dès qu'on a fini, on va pouvoir commencer à bouffer ces trucs-là. Ou ça, là. Ouais, ça. Avoir un petit casus belli sur lui, ça ferait plaisir, quand même. Alors, il a ramené des Celtes en renfort, là, des Gazati, là. Ah, les mecs à moitié à poil. Ouais, bah ouais. Pas complètement à moitié. Ah, ils ont un bouclier pour cacher, quoi. Voilà, ouais. Ah, apparemment, il y aura une deuxième ville quelque part. J'ai hâte d'aller voir où. On va aller voir ça au prochain tour. Hein. On va s'y diriger tranquillement. Est-ce que vous pensez que c'est moi ou c'est Slan qui gagne? Au score, mais c'est toi. T'es loin devant, non? Je suis pas si loin devant que ça. Ah ouais, quand même. Mais bon, je pensais si jamais tu vois, on était maintenant mis à s'affronter. Je sais pas si je te roule dessus ou pas, je sais pas, tes troupes doivent évoluer quand même. Hein. Donc, t'as peut-être pas les moyens d'en faire beaucoup, mais elles doivent être meilleures que moi, tes troupes. Bah, tout dépend si t'as encore ton bonus de plus 7, quoi. Non. On dirait pas. Allez. Ah non, il y a une rivière à traverser, t'es sérieux, mais tu pouvais passer par là. Putain. Du coup, est-ce que je le ferais pas là direct, quoi? Ah, mais c'est cool par contre. Quand t'as rasé la ville, tu récupères les quartiers. Ils restent là. Oui. Ouais, ils restent là, ouais. Ça, c'est pour ça que ça produit autant. Ceci explique cela. Bon, du coup, on va le faire là. Tant pis. Hop, c'est parti. Donc du coup, si je vais construire un quartier par là, je récupère ça. Peuple indépendant, et ça fait quoi? Ah, une politique. Hop. Du coup, on va faire ça en priorité. Enfin, dès qu'on aura fini ça. C'est quoi ce truc? Destruction de ruines. Détruit les ruines et relance la production dans les cases environnantes. Voilà. Hein? Ouais, bon bah je viens d'acheter un village, donc du coup j'ai 4 épéistes supplémentaires. Et là j'ai quoi?
Deux chars et deux épées supplémentaires, 8 troupes de plus. Je suis en train évidemment de raser la ville en question. Oula, c'est beau, c'est la teuf de la stabilité par contre là. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu baisses autant ta stabilité? 20 stabilité, nana, école, machin, moins 16, moins 16, moins 8, moins 8, moins 40 de nombre de territoires attachés. Ouais, ça baisse trop, il va falloir se fendre d'un petit bâtiment. Hop. Et là on est comment à stabilité? Voilà. Par contre dans ce bled là la stabilité c'est vraiment la teuf quoi. Bon, un jour je vais découvrir l'écriture. Non, je suis parti sur conquête. Pourquoi je suis parti sur conquête? Ah, pour avoir les renforts tout de suite, la baliste et tout ça, non. On va finir conquête, mais après on va faire l'écriture. Moi j'ai pas de renfort sur conquête, j'ai juste l'assimilation d'avant-poste et les jeux. C'est en fait ça, sur conquête, ah oui, ça te. C'est pour débloquer tactique de siège. Voilà, qui te rajoute une personne dans le dans la dans l'équipe. Effectivement, c'est rentable. Alors, ouais, ok, pour ça. Putain, les éléphants à arc, il faut aucune ressource pour les faire, même pas un peu de cuivre ou un truc quoi. Non. Pas besoin. C'est quand même abusé. Bah ouais. J'aurais bien dit bah non, mais en fait si, c'est bah ouais. Ouais, c'est bah non, mais voilà. Hein. Moi, je me plains pas, hein. Mais c'est quand même abusé. Ici, on fait de la bouffe, c'est bien. Ici, on fait de la bouffe ou pas? Ouais, mais on est obligé de mettre vraiment trop de monde dessus, ça m'emmerde. Là, j'augmente de plus 10 avec les perses, avec lui là. De plus 10 de. Hécatompiles, une ville que je veux annexer. Ah! Ouais, une armée ici, demi-tour. D'ailleurs, il a choisi sa culture. Ah, il a choisi quoi le babylonien? Il a transcendé lui aussi, sérieux? Transcende tous. Bah, seule façon de gagner au score, hein. Bon, il ouais. Y a un truc qui m'inquiète, c'est que je vois le. C'est le bleu ou c'est le violet ça? C'est le violet. C'est toi le violet en fait? C'est moi le violet, ouais, bien sûr. Ah ouais, bah je suis en train de prendre un territoire à côté de toi, collé à toi. Bah oui, c'est ce que je t'ai dit, ton territoire qui est moitié pas au nord là, enfin qui est dans une petite bosse vers le haut. T'es un nouveau territoire que je prends. Je t'ai dit que t'allais bientôt me voir. Ah je te vois moi, ça y est. Oui, c'est pour ça que je t'ai dit que t'allais bientôt me voir. Bah. Toi qui me vois pas. Si, je te vois, bien sûr que je te vois. Ça fait deux épisodes que je t'ai dit que je t'avais vu. Pas confiance. Ah là là. Toujours ramené à la confiance, quoi. C'est dingue. Toi, tu iras peut-être chercher ça, mais pas tout de suite. Toi, par contre, tu vas aller chercher ça assez vite. Les perles, ça fait quoi? Plus 1 d'argent par marchand. Ouais, j'ai aucun marchand. La teinture, on en a déjà masse. L'encens, plus 5 d'argent par encens, c'est pas mal ça. Ça par contre c'est pas mal. Allez, hop. On va cramer un petit peu d'influence. Ouch. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? J'ai attaqué dans la ville. J'aime pas ça, attaquer à travers les murailles en mettant les pieds dans l'eau. Ça porte pas chance en général. Ah c'est Lucie la jaune, j'avais pas fait gaffe. Ok, dans un tour on a fait ça, donc du coup toi tu vas travailler là-dessus maintenant. Il faut vraiment s'occuper de ça. Au niveau religion, ça donne quoi en attendant qu'il finisse son combat là? Au niveau religion c'est mieux, c'est pas encore dingue mais c'est mieux. Il nous faut 140 pour faire un autre petit coup d'esthète. Et avoir un casus belli sur Babylone. Il a détruit mon porte-avions ? Quoi ?
Il y a des trucs. C'est quasiment des porte-avions. C'est des chars qui lancent des missiles. Enfin, des flèches. Des mais c'est vraiment des chars. Missiles. Ah, mais c'est... si je fais ça, je le finis pas en un tour. Je pensais que c'était. Il restait moins que ça. Ok, ben c'est parti. En avant. Finissez-moi ce cercle de pierre. C'est pas vrai qu'il a encore une ville ? Combien qu'il a de villes, lui ? Et on va peut-être se faire un port aussi à un moment. Hein. Mais où quelle est sa ville ? Il a repris San Lorenzo ! Il a repris sa capitale. Comment ça, il l'a reprise ? Dans mon dos. Mais tu l'as pas vu ? T'as pas une notif ou quoi que ce soit ? Non. C'est de la trahison. C'est complètement con. Pur et simple. C'est surtout complètement con. Ah, on a du fer ici. Ça, c'est bon, ça. Et ça, c'est pas du fer, par contre. Et on a du fer. Voilà qui est plaisant. Et ben, du coup, on sait ce qu'on va faire avec notre influence. 94, il faut. Bon bah, cherchez ça. Alors, vous avez l'impression qu'il est un petit peu énervé le slan ou pas ? Premier qui dit ça, non. Je le raye des commentaires. Vous pouvez venir commenter chez moi, vous inquiétez pas. Ah, t'es passé devant moi, ça y est, au score. C'est la moindre des choses. Ah, ça y est, on a passé le tour. Après tout ce que j'ai fait pour faire le mal. Bon, bah ça veut dire que moi aussi, genre, il va falloir que je devienne agressif, c'est ça ? Ah, je suis pas passé que devant toi, je suis passé devant quasiment tout le monde. Ah ouais, mais je te dis, on était au coude à coude, hein. En même temps, je viens d'éliminer le jaune, donc du coup. Ah non, ah oui, je l'ai pas éliminé. Tu viens de regagner encore plus de points là, t'étais à 1800, un truc du genre, il n'y a pas si longtemps là. Super, hein, merci pour le cavalier d'éclair, hein. Gars. J'arrive à entretenir toutes ces troupes, moi, là, comment ça se fait ? Ah, je vois le rose ! Coucou le rose ! J'ai volé ton peuple indépendant, mais tous tes peuples sont des peuples indépendants. Bon, il va falloir qu'on se bouge, je crois. Parce que Slan, là, il est un petit peu en roue libre. Hein. Babylonien, on a un score de guerre de 100. Bon, bah ce continent, c'est pas fini, parce qu'à mon avis, je vais pas pouvoir tout prendre. Surtout avec un casus belli de rien, en fait. Ah, j'ai refusé les exigences, et... Il est... Il a accepté de renoncer à ses exigences. Donc si je suis la stratégie de Slan, c'est dans à ce moment-là que j'attaque comme un gros sac. C'est pas si tu suis la stratégie de Slan, c'est si tu joues bien. Que tu dis ? Je suis un pacifiste dans l'âme dans les 4X. Ouais. Et tu peux gagner. Et tu peux même faire un achievement qui consiste à gagner la partie sans déclarer aucune guerre. Je sais pas si on peut faire des achievements en multi, tiens. Ah si, sûrement, parce que je crois que j'en ai débloqué quand on a commencé notre partie. Ok, je vais rester dans le coin. Alors je peux toujours pas mettre à jour mes éclaireurs, hein. Ils servent vraiment à rien. Bon, il est pas mort, moi. Du coup, bah, bisous. Hein. Je voulais redéclarer la guerre tout de suite, mais j'ai pas le droit. Tu vas aller compléter cette armée. Allez hop, c'est parti. Ici du coup. On va avoir besoin de nourriture. Hop. J'ai plein de territoires qui sont pas dans des villes. Ça fait pas de nourriture ça. Non. Ah, je viens de faire quelques points encore. Ah, c'est vrai que le bonus de 2 de villes supplémentaires des Perses, c'est quand même cool. Hein. Ah, ça va. C'est rien. Non, non, mais il n'y a pas de souci, mais c'est...
c'est quand même vachement appréciable, quoi. Parce que là, je suis bloqué à deux villes, et du coup, notamment pour les ressources comme l'influence qui sont capées, ou la thune qui sont capées aussi, c'est un peu chiant. Parce que je pourrais bientôt les annexer eux. Dans 3 tours, mais c'est 1270, ça sera un petit peu cher. On va voir ça, il va falloir attaquer moi, la Venta. Moi, c'est 50. Y a... Pardon. Mais je fais plus d'influence maintenant, j'en gagne plus, là. Enfin, plus beaucoup. Allez, l'écriture ! Tour 101, je vais apprendre l'écriture. Bah, tu vois, j'avais un viewer qui se demandait justement, qui était tour 118, qui était passé à l'ère après le Moyen-Âge et qui commençait juste à faire des recherches dans le Moyen-Âge. Et il se demandait si c'était normal, et du coup, effectivement, bah, tu prouves qu'on peut avoir du retard en tech. 118 sur combien? Sur 300? Sur 450? Ou sur... C'est pas pareil. J'ai pas demandé, je lui ai pas demandé. Faudrait que je lui demande. S'il est sur 75, c'est pas bon. Non, pas sur 75, ça c'est sûr par contre. Allez, un petit épéiste. Hop. L'autre il me court aux fesses là. Ah non, il est en train de raser une forêt. Allez, on avance. Je pense qu'on va même prendre toi. C'est dommage qu'on se voie pas parce que je pourrais commercer avec toi 50 000 trucs. Pour donner une idée, j'ai 3 or, 2 sel, 4 cafés, 1 papyrus, 6 safran, 2 obsidiennes. Moi j'ai plein de teintures. Un fer, un cheval, un cuivre. Moi j'ai plein de teintures. Tant mieux, on pourra te les acheter. Ok, on commence à faire un petit peu de la troupaille. Ça s'est fait dans 2 tours. Parfait. Ça c'est fait dans 2 tours, parfait. Est-ce que niveau... Ouais, voilà, avec le petit bonus de foi, on commence à compter un petit peu plus là. C'est parfait. Les Babyloniens accordent un intérêt à ce lieu. Sur mon dépôt d'encens. Bute-les. Bon, il va falloir qu'on booste. Hein. Enfin, c'est toi qui vois, mais... En théorie, quand tu rencontres quelqu'un, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est le buter. Oh là là, quelle agressivité, quoi. Quelle agressivité. C'est terrible. Non, faut pas dire ça. You have my ear. For a time. Si tu déclares la guerre, ça met une pop-up de confirmation qui te dit voilà, il va se passer ci, ça, ou c'est instantané? Je me souviens plus. Tu te fous de ma gueule, t'en fais une par tour. Le mec, quoi. Je sais plus trop. Regardez-moi ce gros fumier. C'est pas gentil. Mais non, je te jure, je sais plus. Je me pose pas la question, moi. Je déclare la guerre, j'éclaire la guerre aussi. T'es compliqué, toi, dans ta tête. Ah, tu veux déclarer la guerre, mais tu voudrais avoir le droit d'hésiter. Quand t'es prêt, t'y vas, puis tu le sauras. Oh là là. Quelle brutalité. Oh, on a vraiment trop de gens qui font de la bouffe ici, ça m'embête. Bah, je comprends que tu sois pas prêt, t'es pas prêt, t'es pas prêt, c'est pas grave. Oh, 16 d'industrie, c'est pas mal ça. Bon alors, lui, c'est quand je vais... Ah bah c'est au prochain tour, mais j'aurais pas 1270 au prochain tour. Attends, mon soutien de guerre, il monte que 2 par tour? Mais ça veut dire quoi, que je vais déclarer la guerre que dans 25 tours? Je vais faire quoi pendant ce temps-là? Oh, la seule autre couleur que je vois, c'est le violet. Mais tu peux venir me chercher, vas-y, viens. T'imagines pas combien j'ai de force? If a little knowledge is a dangerous thing, with 5 research quarters, this city is not dangerous in the least. À chaque fois que j'annexe une ville, je me fais 7 ou 8 armées. Et je les détruis pas, figure-toi. J'en doute pas, j'en doute pas. We have exhausted peaceful solutions.
J'attends juste que t'aies déclaré ta guerre d'abord. Alors, je te promets de pas venir en guerre, par contre, je te promets pas de ne pas avoir quelques exigences. Pourquoi je peux pas sélectionner cette armée là ? Bah si, je la sélectionne. Alors on va reculer pour pas qu'il ait trop de surplomb. Ouais, on va mettre ça devant, tiens. Ça fait le taf aussi de se débarrasser de pop en faisant des unités. Ça fonctionne. Mm-hmm. Je comprends pas ça. De quoi ? Le concept de faire des unités. Une forteresse qui fait plus 5. Pourquoi ? Si je la place à un certain endroit, elle me fait plus 15. Ah, j'ai compris, parce qu'elle détruirait le quartier. Qui fait 10, d'accord, le quartier coûtant 10, elle le détruit, et gna 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 gna. Voilà. On a un event, qu'est-ce qui se passe? Une œuvre de fer et de sang. Alors, férocité sur 8 cibles pendant 15 tours. Ou alors, moins 20% au coût des unités. C'est une férocité de combien? C'est une férocité de plus 1. Bah, je la prendrai quand même. Ouais, j'hésite. Mais on va prendre ça quand même. Ouais. Mine de rien... Ça fait quand même un petit boost, pas non plus déconnant. Bah ouais. C'est tout à fait ça. Alors là, ça continue de se casser la figure. On a perdu une pop ou ça? Ah oui, sur un avant-poste, on s'en fout. Eh ben, je viens de découvrir la philosophie. Et on va s'arrêter là-dessus. Ça me laissera le temps de choisir ma prochaine civilisation. Ah oui, du coup t'as débloqué tes étoiles, bien joué. Et bah du coup, ok, on s'arrête là, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, dire ce que vous avez pensé, et on se dit à très vite pour la suite, merci à toutes et à tous. A plus tout le monde.